Bonsoir tout le monde, bienvenue sur channel là. Nous comptons aujourd'hui pour présenter une nouvelle vidéo ça. Et vidéo ça, la Daline a montré comment on capable et retoucher une photo bien facilement. Donc, nous de nos jours et en pile monde aime une photo qui a un aspect et on a une photo mannequin, une photo pour soi non. Donc de façon nous faire li pas bon. Il fait mon yo trop plastique, il fait mon yo trop poupé. Donc dans la vidéo ça, on va montrer comment on capable et faire une photo qui belle sans que il pas gain et aspect poupé. Et n'a pas pause, n'a pas tourner. Adobe Photoshop, on a utilisé Adobe Photoshop 2020. Donc pour commencer, nous allons aller chercher photo nous voulons et travailler là. Donc photo par maintenant, il situe sur son carte mémoire et OK, nous ouvrons photo là. Là, moi j'ai devant moi un bel petit madame. Et donc juste avant nous commencer faire ça n'a faire photo hein. Nous pour aller et notre genre noir, belle balance de lumière et puis n'a corriger cadrage là. Donc moi ouvert, moi cliquer sur filtre, moi ouvert et caméra raw. La caméra raw, une capacité pour une belle lumière. On et on tient trois rouges et puis là j'ai une photo qui est plus ou moins bon et bon, pour propre là m'a fait sur Photoshop dit OK donc m'a propre sur Photoshop toujours qu'un bé un aspect photo 4x6 et puis bingo donc là moi gagne une belle photo de belle madame devant. La fonti zoom sur photo. Photo ça on ka gade gen et quelques taches, petit bouton et petit point ça yo. Ti mark blanc ça yo. Nan visage mon nan gen quelques petits boutons. Juste avant nous commencer et processus pour nous faire les tant pour mannequin pour nous lisser quoi. Donc nous retirer bouton yo. Donc pour ça on a choisi et outil healing brush tool ça et puis on a augmenté et que cela et puis nous font clic sur chaque ça nous va aimer. Écran ouais layer qui gagne photo ça quelque background non n'a dupliquer les nous on fait contrôle J ou bien petit point J donc là les ba nous en deuxième photo en photo ça nous a invert les n'a mettre les en négatif pour ça nous on fait contrôle I et puis nous on peut aller là. Là, au lieu de normal, on a mis les vivid light. OK. Donc, même pour pas rien, on va besoin d'inquiéter vous. Donc, on va commencer. On va aller dans le filtre. On va descendre dans OK.
On va aller dans High Pass. Et dans High Pass là, on a choisi 10. On dit OK. On va aller qu'on y a là encore dans filter, on va aller dans blur, on va aller dans Gaussian blur. Dans Gaussian blur là, on va mettre li à 2.5. Donc son bail qui est bien facile. Et puis nous censé commencer près là pour nous lisser pour mon là. Donc grand pile méthode. Donc ça c'est pas méthode qui plus professionnel là. Donc ça sont méthode amateur mais qui a bon résultat qui plus professionnel que résultat l'autre juste passé ou faire pour mon là tant qu'on peut payer. Donc là nous fin fait deux étapes ça nous fait là. Donc nous assurons que c'est photo ça. C'est lié ça ce que dans cette feuille ou qui sélectionner nous qui et puis nous cliquer sur masque et puis n'a pas sur une que notre carré ça qui est devant côté couleur en plus argent n'a pas sur une que les blancs donc aussitôt que les blancs nous capable pour nous prendre outil brush là et nous passer les sur tout espace nous voulons appliquer lissage là. Donc d'un côté nous pas doué jambe passer li par exemple nous pas capable passer lissage nous pas capable appliquer lissage là dans cheveux mon nan nous pas capable appliquer li dans sourcil li. Donc, et pour augmenter ou bien réduire size que cela suivant côté ou passer li ou peser accolade ouvert dans clavier pour descendre épaisseur qui c'est là ou bien accolade fermé pour augmenter épaisseur là. OK là si nous fait back on capable voir photo là il était comme ça il vient comme ça mais j'aime te dire là là il paraît trop soir donc nous obligé réduire dans travail nous autres faire remarquer bon petit travail qui va fait là juste avant yeah. Mon appareil est trop soi. Donc, pour nous corriger ça, nous allons dans l'opacité. Nous allons descendre. Pour mettre le niveau côté qui ne peut pas aller trop à l'excès. Moi-même, j'ai un problème à 82%. Donc, nous descendons plutôt à 76%. Donc, ça qui arrive ou même augmenter les plus ou bien diminuer plus suivant, je photo a été faite. Donc si moi fermé, après photo a été comme ça, il vient comme ça. Il était comme ça, il vient comme ça. Donc là, nous avons une photo qui vient pour monde qui bien soit et qui pas trop déranger tout. Donc photo a toujours été naturelle mais avec yon pi belle allure. Donc plein fini, nous juste fait un clic droit sur image de base, ça quelque background là et bien dit flatten image. Donc là nous gain une photo qui est bien normal et allez nous fait save as.
Bon, n'a préservé encore en façon pour ne pas modifier et fichier photo original là. Pas jamais gâter fichier original là. Ça carré pour pas aimer retouche là, donc carré pour ne pas fichier original là, on corrige encore. Donc ça me gagne même nom, mais seulement m'ajouter retoucher dans nos photos. Donc comme ça m'a bien deux photos, il y en original et il y en retouché. Donc photo m'a save. Donc c'est ça on devrait monter aujourd'hui là. Donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo.